Au galop, Jobberman Duhaume, le numéro 4. Jobberman Duhaume qui va perdre pratiquement toute chance. On a pris un bon départ avec Jeff Deschamps, le numéro 10. Bon départ également du favori, Jasmine Idef. Bon départ également du néophyte au trop monté, Jack Teji. Jupiter Deval est également parmi les mieux partis avec Just Be Good, le numéro 7. Alors qu'on est isolé des autres avec Joker Batman à l'extérieur, en compagnie de Jules Deschamps. C'est la casaque orange. On rétrograde avec Julius Dutheil, cheval décidément très compliqué. On a disqualifié numéro 4, Jobberman Duhaume. Ils sont 4 de front pour bientôt aborder le premier tournant. On a le favori, Jasmine Idef, avec à son extérieur le numéro 9, Jack Teji. Encore plus à l'extérieur, on a également se rapprochant Joker Batman. Janus Delair est au grand galop. Alors, ce n'était pas Julius Dutheil qui était au galop tout à l'heure, mais le numéro 1, Janus Delair. Julius Dutheil, quant à lui, se rapproche en deuxième position. En léger retrait, Jazz Dugoutier, le numéro 8. Disqualification du numéro 1, Janus Delair. Et c'est Jack Teji qui est en tête pour aborder ce premier tournant. Avec en deuxième position se rapprochant Julius Dutheil. Troisième position pour Jeff Deschamps. Avec à la quatrième place Joker Batman, le numéro 2. Derrière les premiers cinquièmes, Jasmine Idef, accompagné par le numéro 3, Jupiter Deval. Jove Fougeray venant ensuite avec également Just Be Good. On va attaquer la portion d'en face, hein, la longue ligne opposée, sous l'impulsion toujours de Jack Teji, le néophyte au trot monté, épaulé par Julius Dutheil, avec en troisième position Jeff Deschamps, le numéro 10, au centre le 11, Jasmine Idef, et toujours en dehors, Joker Batman, le numéro 2. Ces cinq-là, avec une longueur d'avance sur un trio également composé de Jupiter Deval, Just Be Good, le numéro 7, et côté corde, Jove Fougeray. Le numéro 12 venant ensuite, Jules Deschamps, hein, s'apprête à recoller alors que le 2 Joker Batman vient de se montrer fautif. Joker Batman qui rétrograde et au kilomètre, on a toujours les deux mêmes animateurs, Jack Teji et Julius Dutheil. On est tout près également avec le numéro 11, Jasmine Idef. Le numéro 3, Jupiter Deval, bien placé également à hauteur des premiers, mais légèrement à l'extérieur, toujours de Just Be Good. Alors que le 10, Jeff Deschamps, est en bonne place également côté corde, talonné par Jove Fougeray. Ils sont encore très nombreux à pouvoir disputer les premières places. Jack Teji, toujours en tête, avec le numéro 6, Julius Dutheil, qui sont marqués de très près maintenant par Jasmine Idef, le numéro 11. En quatrième position, Jeff Deschamps, le numéro 10. On a du mal à réaccélérer avec Just Be Good, avec également Jove Fougeray, le numéro 5, au contraire de Jupiter Deval, qui essaye de revenir à l'extérieur. On est à 500 mètres désormais de l'arrivée. Et on bataille ferme toujours avec Julius Dutheil, hein, toujours à l'extérieur de Jack Teji, le numéro 9. C'est de là qu'ils vont être attaqués maintenant par Jasmine Idef, hein, qui tente la passe de 4, on le rappelle. Ils sont détachés, ces trois-là, de Jove Fougeray, qui se ressaisit côté corde, avec également Jeff Deschamps, le numéro 10, mais ligne droite finale. Jack Teji qui rentre dans le rang. Et c'est l'instant choisi par Louane Lecoq pour lancer maintenant Jasmine Idef, qui lutte toujours avec un Julius Dutheil qui est très appliqué. Attention à Jeff Deschamps, qui essaye de se relancer. Il reste maintenant 200 mètres à parcourir. Et un Jasmine Idef, hein, qui est bien parti pour remporter une nouvelle victoire de suite. Ce serait la troisième, il va préserver son invincibilité depuis le début de l'année. Il domine Julius Dutheil, qui est inquiété au passage du poteau par le numéro 5, Jove Fougeray.